Hey les amis, c'est Redco, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo unboxing. Enfin, je l'ai eu, le 2 septembre. Je l'ai eu, ils ont mis beaucoup de temps à l'envoyer Amazon. Un petit peu dégoûté, tout le monde l'a eu super en avance. Version de luxe, pas de luxe, je ne sais pas quoi. Enfin, il est là. Il est là, il fait plaisir. Donc voilà, j'ai pris la version PS4, j'ai la version PC aussi. Voilà, donc comme ça, s'il y a des mods avec des maillots modifiés par la communauté, ça en aura des maillots sympathiques. Donc voilà, donc j'ai commencé le jeu, j'ai fini le premier run, donc j'ai débloqué l'Allemagne. Là, je fais mon deuxième run pour essayer de débloquer le Brésil ou l'Amérique ou les États-Unis. Comme ça, on aura toutes les équipes, etc. Donc voilà. En tout cas, le collector est imposant, vraiment très imposant. Et il a bénéficié de 30 euros de réduction. Donc à la base, il était à 150 euros. Il est passé à 120 euros dans les derniers jours de la sortie. Après, avec les bugs, etc., grâce aux lives de Hatsushi, malheureusement, on le voit tous les jours. Mais c'est peut-être pour ça. C'est peut-être par rapport aux bugs qui ont baissé un peu le prix de tout. De toute façon, la version normale est à 45 euros. Donc pour un jeu qui vient de sortir, 45 euros, c'est bien, parce que d'habitude, normalement, un jeu vidéo sort au prix de 70 euros. Et là, on a un jeu qui vient de sortir 45 euros. Donc voilà, je crois que ça va être un fourreau, ça. Ouais, c'est un fourreau. On va couper ici. Donc pour l'occasion, vous l'avez vu, j'ai mis le maillot de la Nankatsu avec le N. C'est bon, on a ouvert. Hop. Voilà. Bon, j'ai l'habitude avec le collector. Voilà, avec un beau fourreau. On va le mettre là. Voilà. J'ai du couteau chou, je suppose. On va le mettre comme ça. Voilà. On va mettre comme ça. Voilà, le petit cadre. Allez, alors, je pense que ça s'ouvre comme ça. Ok, donc ça s'ouvre comme une boîte. 24 sous le taureau. Glisser vers le haut. Hop. Ok, donc on va mettre ça comme ça. Hop. Ah, ça va pas bien tenir. Voilà, on va mettre comme ça. Donc on a tout de suite une illustration entre Tsubasa et Yuga. Voilà, une belle illustration. Voilà, encadrée, je pense. Et ça sera très très bien pour encadrer dans un cadre, etc. Donc ça serait c'est bien. Donc voilà, je pense que c'est bon. On va poser le cadre avant, je sais pas si vous voulez. Ouais, je pense que vous voulez. Bon, là il y a le season pass, malheureusement vous le comprendrez bien que je vais pas vous le montrer. Il y a plusieurs codes, donc il y a les 9 joueurs qui vont arriver bientôt. Et plus le maillot de luxe édition avec le maillot V-Jump, avec le ballon et les crampons. Et voilà, donc j'ai un bonus de 7 pass avec un maillot aussi, un nouveau maillot, des crampons et un ballon. Plus encore d'autres ballons et d'autres maillots quand tu l'as précommandé chez Amazon. Après, je pense que tous les magasins, c'est comme ça. Après, je sais que Micromania avait des maillots exclusifs. Quand tu précommandais chez eux, donnais un code, etc. Bon, j'ai vu les maillots, c'est pas fou. Mais voilà. Bon, voilà, donc ça se présente comme ça. Donc comme je vous l'ai montré, normalement il y avait le season pass à côté et l'illustration comme ça. Donc, voilà, ça se présente comme ça. Donc la grande figurine de Tsubasa là, le jeu bien évidemment sur PS4, en version normale bien évidemment, et Hero Pack. Donc ça, je pense que c'est les cartes. Donc voilà. On va prendre le jeu. Bon, le jeu, on a besoin de l'ouvrir. Voilà, je pense que c'est un jeu basique. C'est ce jeu à 45 euros. On va le mettre là. Hop. Alors, ça, le Hero Pack Collectible Cards Badge Inside. Voilà, en anglais, s'il vous plaît. Hein. Vous avez vu mon anglais? Open. Ok, donc. Okay, j'ai tellement peur de me déchirer. On va aller doucement, pas là-bas. On a le temps. Hop là. Ah, d'accord, ça c'est les écuissons de la tour et de la Nankatsu.
brodé. Voilà, brodé. Hop. Voilà. Et la tour derrière. Voilà, brodé. Ok, donc c'est, je sais pas si c'est collé ou faut le broder dans un vêtement ou dans un sac à dos, un truc comme ça. C'est sympathique. C'est sympathique. Oh, attends, il y a des cartes aussi. Il y a des cartes. Ah, elles sont jolies. Il y a le, ah, c'est des faits un peu à l'ancienne. Bon, je vais peut-être pas les ouvrir. Mais regardez, ça c'est bien, tout bas ça. Vous voyez comment elle. Comment elle. Ah, ça me rappelle mon, ça me rappelle vraiment ma jeunesse. Ça me rappelle quand j'étais en primaire. En primaire, avec les cartes. Pardon, avec les cartes Panini qui changent de couleur quand tu les bouges selon la lumière. Pas mal, pas mal, pas mal. Sinon, il n'y a rien d'autre. Bon, je vais remettre à leur place. Hop. Pour revenir un peu sur le jeu, je sais que le jeu fait un peu polémique en ce moment parce que y a beaucoup de bugs. Ça, c'est dommage. Je suis assez d'accord avec ce que Atsushi répète dans ses lives. C'est vrai qu'ils auraient dû faire. Ils auraient dû faire des tests. Voilà, je suis désolé, mais c'est vrai qu'ils auraient dû faire des tests. Des tests, comment dire, des tests de bugs, une bêta ou une démo, tu vois. Et bon, c'est une petite structure. Moi, je suis indulgent pour l'instant, je ne dis rien parce que voilà. Mais on attend avec impatience le patch pour qu'il y ait le moins en moins de bugs. Donc voilà. Donc le steelbook, voilà, il est là. Donc le steelbook comme ça qui s'ouvre. Hop. Tsubasa et Yuga en version équipe du Japon. Voilà, c'est un steelbook, hein, voilà, c'est lui. Là, vous pouvez mettre le CD du jeu si vous voulez. Et pardon, une notice ou le CD de passe, comme ça vous ne le perdez pas. Je sais que j'ai un ami qui fait une grande collection de steelbooks. Je sais pas s'il peut l'acheter tout seul. Peut-être. Peut-être qu'il peut trouver quelqu'un sur internet qui va le vendre peut-être 5€, 10€. En tout cas, il est joli. Très joli. Très joli le steelbook Tsubasa. Alors. Là, c'est la figurine Ban Presto Grandista. Alors, ça se présente comme. Je vais faire un peu plus court. Là, c'est quoi dedans? Ah, il y a un truc dedans. Ok. Donc, la figurine, je vous l'ouvre tout de suite derrière. Mais d'abord, je vais voir ce que contient ce. Le pire. Ah non, c'est vite. En fait, c'est pour caler le. Voilà, parce qu'il y a ça. Mais c'est pour caler le collecteur. On va l'ouvrir quand même, on va voir s'il n'y a pas un truc dedans. Jamais, hein. J'ai pas voulu me faire spoiler, je sais que mon ami Touchy a sorti sa vidéo unboxing que je vais voir derrière. Alors, je ne voulais pas me faire spoil. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est à gauche ou à droite. Je crois qu'il est à gauche. Défi la loi, les lois du football et devenir des gens. Ok. Donc voilà, le collecteur il est comme ça. Bon, ça, c'est une grosse boîte là. Voilà. Il y a une boîte par là. On va le mettre de côté. Hop. Ouais, si vous entendez, c'est Atsushi qui est en train de live. Je fais mon unboxing pendant son live. Donc, s'il écrit, c'est qu'il a dû avoir un bug de ouf. Voilà. En tout cas, la figurine est grande. Elle est grande. Par contre, j'aurais bien voulu avoir le maillot qui donne en. Le maillot du Japon qui donne en précommande. Tu sais, quand tu précommandes le jeu, tu mets le maillot du Japon Junior Youth. Voilà, le blanc avec les rayures bleues sur les manches. Franchement, j'aurais préféré ça que ce maillot-là. Bon, ça va être un maillot moderne, qui ressemble au maillot du Japon. Enfin, ouais, non, c'est les anciens maillots du Japon d'il y a quelques années. Mais ouais j'aurais préféré, perso. Hop, je préfère faire doucement, pas déchirer. J'ai pas l'habitude d'acheter. Ah oui, d'accord. Voilà pourquoi faut pas forcer les gars parce qu'il y avait encore d'autres scotch sur le côté. Voilà, là ça ouvre tranquille. Donc voilà, donc je voulais pas. J'ai pas l'habitude, comme je disais, j'ai pas d'acheter des décollecteurs. Mais les seuls collecteurs dans ma vie, j'en ai vraiment acheté. Il y avait Watch Dogs. Et Watch Dogs. Et il y avait Watch Dogs et la Metal Gear. Tous les Metal Gear. Elle est grande, hein. Elle est grande. Bon, voilà, le code, la boîte est là, je marque tout, c'est bien. Ah ouais, elle est grande. Bon, je vais pas l'ouvrir. Pas vous mentir, je vais pas l'ouvrir. Moi, à la base, je voulais pas celle-là. Je voulais pas ce collector-là, je voulais le collector avec le maillot. Parce que bon, les figurines, ça ne m'intéresse pas trop. Enfin, on va le mettre comme ça, c'est voilà, vous me verrez, vous verrez la figurine. Elle est grande, hein. Elle est grande. Franchement, c'est un truc de fou.
Je m'attendais pas. En fait, je m'attendais pas à un... je m'attendais pas à une figurine. Je m'attendais à une figurine un peu plus petite. Et là, elle est grande et en plus, elle pèse son poids. Hein. Franchement, elle pèse son poids. Hein. Et franchement, Tsubasa, il est bien. Franchement, ça va. Hein. Ça va, ça va. J'allais être dur avec lui, mais ça va. Le visage est plutôt bien fait. La coupe du cheveu, ça va. Mais ça va, franchement, la figurine est plutôt propre. Donc, comme je vous ai dit, il y avait plusieurs collectors, dont le collector Banifu. J'ai vu que dans le groupe Facebook Tsubasa Rise of New Champion France, il y a deux mecs qui l'ont acheté. Il y a deux mecs qui ont acheté le collector à 2000 et quelques euros avec le Babyfoot et tout. Moi, je trouve pas le Babyfoot super intéressant parce qu'ils ont fait. Ils ont, en fait, c'est un Babyfoot, ils ont mis des stickers. Voilà, c'est juste une plaque où c'est écrit limité, c'est tout. En fait, ce que j'aurais aimé dans le Babyfoot, c'est que les petits bonhommes du Babyfoot, c'est qu'il y a le Major Katsu avec le numéro, Tsubasa, etc. Tu vois, avec des petits détails, tu vois, qui font le prix. Là, ils ont fait que du rebadgeage. Et ça, c'est un petit peu dommage. Franchement, je trouve ça très dommage. Donc voilà, les amis. Donc, comme je disais, le Babyfoot, voilà, je suis un peu déçu. J'ai vu des photos et tout. Voilà. Donc, moi, je voulais le collector avec le maillot. Je sais qu'il y a une édition, le jeu et le maillot. Voilà. Donc, il n'y a que le jeu et le maillot. Je crois qu'il est à 80 ou 90 euros le jeu. Donc, voilà. Donc, il y avait plusieurs collectors, etc. Donc c'était pas vraiment le collector que je souhaitais, mais c'est parti tellement vite que voilà, on n'avait plus rien. Après je crois que même commandant il a remis quelques collectors qui leur restaient sous les bras, mais pas ceux qui m'intéressaient. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo unboxing vous aura plu. Moi je suis plutôt content pour 120 euros. La figurine est vraiment bien. Franchement je suis surpris, je suis pas figurine du tout. Hein. Je suis pas figurine du tout. Mais elle est vraiment bien, elle est détaillée, elle est lourde. Je sais pas si il est lourd. C'est ma première bonne grande, c'est ma première grande grande testo. Ah bah en plus ils disent tout, non grande, voilà, grande vista de Ban Presto. Voilà, désolé. Ils disent en plus tous les noms de ceux qui ont fait la peinture, le graphique. Mais malheureusement ils disent pas le poids et tout. C'est dommage, un petit peu dommage. Allez les amis, on en reste là pardon, pour le collector de Tsubasa Collector Edition. Il y a la Champagne Edition, etc., etc. Et moi je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Captain Tsubasa Dream Team ou Captain Tsubasa Rise of New Champion. Je pense faire des vidéos entre guillemets thématiques, on parlera de certains sujets. Je vous donnerai mon avis sincère du jeu pour l'instant lors d'une vidéo. Voilà. En attendant un patch, en attendant aussi il y aura des DLC gratuits, on ne sait pas qu'est-ce que ça va être, des ballons, des maillots, peut-être des joueurs, je sais pas. Bon, en tout cas ça va être gratuit, ça fait plaisir par contre, voilà, on a des DLC gratuits, c'est de plus en plus rare dans le jeu vidéo d'avoir des DLC gratuits, là ça fait plaisir. Je vous donne rendez-vous pardon, pour une prochaine vidéo, pensez à vous abonner, très important, c'est gratuit, ça mange pas de pain. À liker la vidéo et nous on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo Captain Tsubasa. Ciao!